On va aujourd'hui débattre des rapports entre IA et les territoires. L'intelligence artificielle est une priorité nationale, régionale, vient de le dire François Werner. Mais il faut reconnaître que cette priorité a du mal à être déclinée sur la totalité du territoire national. On parle aujourd'hui de fractures numériques. Le développement de l'IA ne doit pas aggraver les fractures territoriales. Les régions, les métropoles, les universités, les centres hospitaliers ont, à mon sens, un rôle démultiplicateur pour réussir à développer ces technologies. Le Nancy, dans ses différentes activités, a une vocation territoriale, est très engagé sur les territoires, que ce soit l'ensemble de la Lorraine, même parfois un peu au-delà, que ce soit sur la métropole. Et ça, je crois que c'est un élément important de souligner à quel point l'intelligence artificielle, tout le numérique d'ailleurs plus globalement, est un élément qui permettra de développer les prises en charge territoriales au bénéfice des populations. On est sur des situations où la démographie médicale, les distances, l'évolution des techniques amènent à des changements radicaux de l'organisation des soins. Et nous sommes vraiment là aujourd'hui, je crois, au cœur des sujets. Et nous concernant, le sens, il se justifie aussi dans les territoires, d'où le questionnement de pouvoir comprendre les situations sociodémographiques dans les territoires, la configuration des offres de soins, pour voir justement comment les innovations peuvent apporter des choses. Et l'autre élément, c'est l'outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que puisqu'on expérimente, on est forcément dans des échelles qui sont limitées, mais il faut qu'on puisse tirer les enseignements de tout ce qu'on réalise pour que derrière, ça puisse servir des feuilles de route de déploiement et la feuille de route de télémédecine régionale en est un par exemple. Parce que ça reste un outil et je pense que c'est essentiel de voir que la décision humaine doit rester prioritaire et surtout garder la sensibilité aussi d'une relation et d'un ressenti très intuitif qui fait aussi partie d'une approche dans le médical. Je pense qu'effectivement qu'on va probablement assister à un bouleversement dans les 10-20 ans. Moi je vois donc dans notre domaine d'avoir accès rapidement et de trouver des informations rapidement. Je pense que ça peut être en plus dans la spécialité comme la réanimation, mais aussi dans d'autres spécialités médicales, d'avoir une base de données de connaissances rares beaucoup plus facilement accessible et aussi d'avoir la bonne donnée au bon moment par une aide extérieure d'une machine. C'est jamais qu'une aide diagnostique, mais le côté humain, jamais on ne pourra le remplacer. Un patient a besoin d'un côté humain, ça c'est indéniable. Personne ne voudrait se retrouver avec un interlocuteur robot, mais autrement tout ce qui est en termes d'aide diagnostique, donc d'analyser les données que l'on peut avoir, ou même je pensais notamment à ce qui est toutes les données génétiques, la génomique aujourd'hui qui prend une place très importante en médecine comme ailleurs.